Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je rentre d'un peu de shopping sur Montpellier et du coup je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Pour la petite histoire, pendant le déménagement, donc c'est tout petit ici comme je l'ai déjà dit, on a tout mis dans des sacs, on a bougé les cartons d'un côté de l'autre. Il me fallait absolument mes affaires d'été et je pense, j'en suis sûre hein, parce que j'ai un box aussi un peu plus loin que là où j'habite, où j'entrepose tous mes costumes de spectacle. Et du coup, j'avais tout bien trié, l'hiver là-bas, l'été ici, puisqu'on est arrivé en été. Et j'ai eu beau chercher dans les deux endroits, j'ai perdu un énorme sac de tous mes hauts d'hiver. Alors, quand j'appelle hauts d'hiver, c'est tout ce qui est plus léger pour sortir, t-shirt, petit haut à bretelles pour sortir le soir, pour ne serait-ce qu'un resto, une discothèque, tout ça. Des choses un peu plus légères que pour aller travailler. Alors il me reste des pulls, des sous-pulls, enfin, des trucs un peu plus chauds. Mais je n'ai plus rien. Et ici, là j'ai mis le sweat, mais j'ai regretté, en plein centre de Montpellier, il faisait au moins 25. Donc j'ai galéré aujourd'hui, il faisait super chaud. Et j'ai pratiquement, je crois que je dois tourner avec 5 t-shirts. Donc c'est la cata. En premier lieu, je suis allée, pour celles qui habitent à Montpellier, je suis allée à côté de la Comédie, un petit magasin qui s'appelle Carmine. C'était vite fait pour des petits hauts. De toute façon, je voulais pas mettre trop cher pour la bonne et simple raison que je vais aller quelque part à la fin du mois. Pardon. Je vais trouver tout ce qu'il me faut. C'est une braderie, je vais trouver tout ce qu'il me faut de marque et bien entendu, comme j'ai envie, un peu plus moderne. Donc là, je voulais du basique, du basique, du basique. Donc ouais, Carmine, pour celles qui connaissent, à côté de la Comédie, c'est une petite boutique, mais j'ai fait celle-ci, j'ai fait rue de la Loge, rue de l'Aiguillerie, tous les magasins que j'ai fait, il n'y a que des pulls. Ouais, c'est, je croirais, dans le nord de la France, que des pulls. Non, c'est pas le moment, ici il fait super chaud, c'est l'été indien, les pulls, on n'en a pas besoin. Descendant dans la rue, alors je confonds toujours rue de l'Aiguillerie, rue de la Loge, c'est une ruelle qui descend après le McDonald's pour celles qui connaissent. J'ai trouvé un petit magasin à côté, donc le magasin pour les Montpelliéraines, c'est Sister. Là, en l'occurrence, c'était dans la boutique juste à côté qui s'appelle Podium. Et j'ai trouvé une perle d'escarpins. La marque, au cas où ça se retrouve sur le net, c'est Belle Woman. Souvent j'achète des escarpins là-bas, il y a plein de chaussures super sympa, donc elles sont avec elles sont chacune dans un petit pochon. Et voilà, celles-ci, elles sont un peu couleur, enfin elles sont vieux roses et avec peau de daim. Voilà, donc elles ne sont pas très hautes, regardez, petit pantalon, moi je dirais, petit talon de 6 cm, allez, 7, voilà, super confortable. Pour l'info, je voulais une paire comme celle-ci parce que cet été, pendant que tout le monde achetait des maillots, moi j'avais fait les boutiques à Odysseum en Montpellier. Et je crois bien que c'est chez Pinky, ouais, Pinky, il y avait des soldes d'hiver. Et je suis tombée sur ce petit blouson-là, ce petit perf rose poudré qui, avec les côtés comme cela, je crois qu'ils en ont encore, de toute façon il y en a de partout, mais sauf que celui-là je l'ai payé 17 euros en plein été. Fallait oser, je l'ai fait, j'avais jamais acheté un truc d'hiver en été, en général je fais le contraire. Et voilà, donc je pense que ça plus ça, voilà, c'est pas total look, il y a une petite nuance et je pense que ça va se marier très très bien. Voilà, ça fera son affaire. C'est sur la, pareil dans cette rue. Ah oui, pour les escarpins, c'est 16 euros. 16,90 €. Voilà, pour celles qui veulent fouiner sur internet, allez au meilleur prix. Donc oui, suivant, à côté de chez, j'arrive pas à trouver mes mots, à côté de chez Podium, il y a ce petit magasin. Donc apparemment, je viens de voir, on peut le trouver en ligne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que vous en avez toutes un chez vous, peut-être dans les grandes villes. À Montpellier, il y en a un, c'est Saga Cosmétique. Donc www.sagacosmétique.com. Je vous laisse regarder. Voilà. Donc en fait, c'est quoi? C'est un grand magasin de déstockage de cosmétiques. Bon, des fois, les prix, c'est 1 ou 2 euros de moins.
Donc il y a toutes les marques qu'on peut voir dans les grandes surfaces, un peu plus poussées certaines fois, qu'on peut trouver chez Sephora. Il y a aussi les huiles pour le corps, les crèmes pour, les crèmes pour le visage, les shampoings, les pinceaux, le make-up. Il y a le base, le teint, enfin il faut fouiner, il y a plein de racks, enfin, c'est terrible. Et la dernière fois, dans un ancien haul, je vous ai présenté des produits pour les cheveux de cette gamme-là. Hop, je vais vous montrer, c'est Mercea. Voilà, donc là, j'ai repris du conditionneur parce qu'en effet, il va très très bien. J'en avais plus là. En fait, ces produits sont issus de la mer morte. Donc, il n'y a pas de... Je regardais quand même. Kératine Airless Conditioner. Il n'y a pas de parabène, pas de sulfate, pas de sodium chloride free. Il n'y a pas de sodium de chlorure de sodium. Pardon, j'y suis arrivée. Donc là, c'est le conditionneur. Il me restait du shampoing. L'odeur, et on sent bien l'odeur salée de la mer. En l'occurrence, la mer morte. Je n'étant jamais allée, mais j'habite au bord de mer. Donc je connais cette odeur de sel, d'iode. Ces produits sont... C'est une merveille. Donc je les ai eus à 5 ou 6 euros. Donc j'en ai repris. Hein. Parce que c'est vraiment top. Combien 6 euros. Voilà, il m'a tenu 7 mois, je crois. Hein, donc voilà. Je vais bientôt finir le shampoing qui est assorti à cette gamme-là. Et dans la même gamme aujourd'hui, toujours pareil, issu de la mer morte, j'ai pris un bain de boue. Un shampoing de boue de la mer morte. Pour conseiller pour les cheveux très très secs. Et rien que la couleur, regardez, voilà, donc comme j'ai vraiment les pointes sèches là avec l'été et tout, je me suis dit, si vraiment je finis le shampoing avant mon nouveau conditionneur, je vais sentir. Alors celui-ci, il est un peu plus parfumé, peut-être que ils l'ont fait exprès dans le sens où la boue, voilà, peut-être c'est inodorant ou c'était trop corsé, je ne sais pas. Je vais l'appliquer dans la semaine. Voilà, bon, je viens de les laver aujourd'hui. Par contre, ouais, il n'y a pas de parabène. C'est tout ce qui a marqué. Sans parabène, c'est sur le côté. J'arrive toujours pas. Je suis nunuche. Voilà. Donc, à voir. La vendeuse m'a dit, moi non plus, j'ai jamais essayé. Elle avait essayé les autres, mais pas celui-ci. Donc, à voir. Celui-ci, je l'ai payé. 5 euros. La contenance, 400 ml. Ça va. Après, j'ai pris, donc c'est écrit en allemand, mais j'ai pris du Glossing Hold de Sios. Donc, hop. Alors, pourquoi je l'ai pris? Il y a marqué des formules performantes co-développées, utilisées par des coiffeurs pour un résultat professionnel comme en sortant du salon de coiffure. Plus loin, il a écrit « Cette émulsion offre une très bonne tenue et confère une brillance éclatante pour un éclat scellé dans le cheveu et une maîtrise parfaite. » Répartir sur cheveux humides ou secs. Vous savez quoi? Moi, je suis curieuse. Je vais faire parce que les... On va voir sur les pointes. Vous avez vu, elles sont... Ouais. Ça sent super bon. C'est vraiment pâteux, hein. Crémeux, pâteux, on essaie en direct. Ah, je vais enlever ma bague, mince. Hop. Et en avant. Alors, l'application est sublime, c'est fondant, ça fait pas de paquet, ça glisse dans les cheveux. Bon, moi, je les ai lissés au Steampod. Mais même quand je les lisse, en général, ils sont encore mieux le lendemain. Parce que là, mes cheveux prennent beaucoup, gardent beaucoup l'humidité. Du coup, ça reste un peu frisottant vite fait, mais c'est pas net. Voilà. Alors l'application, ils ont tout avalé, quoi. Bon, ils sont secs. Voilà. Donc, avec un petit donc rajouté par-ci par-là, on va y arriver. Je vais en remettre quand même une bonne quantité. Ah, mais les miennes, de toute façon, là je vais passer, je vais faire les mèches en plus vendredi. J'ai intérêt à faire un bain d'huile juste avant. Sinon je vais les flinguer. Mais bon, moi j'aime bien le blond. Blond comme ça, pas trop blanc, mais ça illumine. Au niveau
quand on passe dans les cheveux, ça sent super bon. C'est super parfumé. Ça me rappelle les produits Kérastase, de la gamme des packaging verts. Oh, les produits Kérastase. Pas la peine de se parfumer. Voilà, en fait, voilà. Bon, peut-être qu'on aura plus de résultats demain, visibles en tout cas, quand je vais repasser vite fait le steampod avant d'aller travailler. Oh, c'est fameux. Hop, je remets la sécurité parce que je me connais. Donc, je ferai ça plus tard. Je me connais aussi. Donc, chez Jennifer. En avant, la farandole de petits hauts. J'en ai pris des basiques et un ou deux pour rigoler au boulot. Voilà. Donc, celui-ci, par exemple. 5 euros. C'est marqué là. Hein. 5 euros. On ne va pas s'embêter pour aller bosser. Et j'ai trop aimé les couleurs. Les trois couleurs associées, voilà, ça m'a plu. La typographie, voilà. Seriously, j'adore. C'est sérieux. Ensuite, pour rêver un peu et faire rire un peu, ma copine Harmony, celui-ci, je l'ai payé 9,99 quand même. Attention, des licornes. Je pense que ça peut nous faire la journée. Des licornes, c'est toujours rigolo. Pour bouger, pour sortir soir ou pas soir, non le soir, avec le perf là par exemple. Celui-ci, 5,99€, pas excessif. Ouais, ça reste basique. Voilà, voilà. Alors, c'est un peu côtelé. Voilà. Moi je dis ça avec le. Voilà, génial. Hein. Vous avez compris le coup. Celui-ci, 5€ aussi. Enfin, il valait 9,99€ et je l'ai eu à. 5 euros, hop, pareil, hein, basique, hein. Des petites fioritures vite fait là pour dire deux, mais voilà, ça se porte sans fin, ça, ça passe. Un petit t-shirt kaki, moi, ouais. Puisque j'ai la veste militaire et tout, celui-là, 4,99€, alors il est tout simple, hein. Dire kaki près du corps, voilà, pas plus, aucun argument supplémentaire. Alors, celui-ci, combien il a coûté? Il valait 7,99€. L'arrière est comme ceci. Et le devant est comme ça. Voilà. Un basique. Ah, celui-ci, un peu plus rigolo. C'est une dédicace pour ma copine Harmony. Elle va trop aimer. Sorry, not sorry. Et pour les clients qui ne seraient pas satisfaits, voilà. Du coup, ça va vous faire la journée. 5€. Il valait 9,99€. Donc là, 5€. Franchement, ça vaut le coup. Allez, on arrive presque à la fin. Pareil que le beige. Donc, ouvert à l'arrière. Je ne sais même pas si c'est... Oui, c'est l'arrière. Hop. Et puis, voilà. C'est... Il n'y a rien de plus compliqué. La matière est fluide. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu celui-là. Il fait combien? 7,99€. Il n'y avait pas de remise sur celui-ci. Et le dernier... Ou alors celui-ci est encore plus basique que les autres, mais toujours pareil, très fluide. 4,99€. Voilà. Alors j'ai jonglé, j'ai pris taille S, j'ai pris du XS, j'ai pris du M. J'ai fait. Ouais, moi, c'est moi. Ça, c'est. Les couleurs claires, j'ai pris du M. Pour pas que ça boudine trop. Et les couleurs foncées, ben, je me suis amusée entre le XS et le S. Total, une cinquantaine d'euros. Voilà. Voilà la boulette du déménagement. Et après, comme je vous dis, en fin de mois, j'ai une braderie à faire. Donc, je sais pas si ça vous intéresse, parce que là, c'est des, ça va être que des trouvailles pour retrouver les mêmes articles. Ça va être compliqué, mais je chine très très bien et très vite. Et je trouve des pièces rares et en général de marque pour des prix dérisoires. Si ça vous intéresse, vous le dites en barre des commentaires. Ça me fera un plaisir, parce que là, je vais arriver avec un gros, très très gros sac, à mon avis. Donc, ça sera prévu pour fin octobre. Voilà, c'était le shopping d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je vous souhaite, pour celles qui regardent cette vidéo et celles qui l'ont coupée juste avant, dommage, parce que je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Et puis à très très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!